un cheval un peu exceptionnel. On a eu la chance d'entraîner ce cheval-là. Il faut savoir qu'Altesse d'Arocco, sa mère, était la meilleure 3 ans en France et qu'elle a donné cette attitude à ce cheval, c'est-à-dire la vitesse. Bred by Yumkan, Tabarak started in training in Qatar as a 2-year-old and get the first of his 13 wins on his first outing. He showed such promise that he was taken with other top Yumkan horses to Europe in 2011 and won the Qatar Coupe d'Europe on his first Group 1 race. Tabarak était un cheval aussi qui avait de la vitesse mais aussi de la tenue puisqu'il a gagné les Mirsoirs de Qatar sur 2400 mètres. Et la force de ce cheval, c'est qu'il avait une pointe de vitesse remarquable. Et à chaque fois, comme disait Olivier Pellier, c'était une voiture à monter. C'est-à-dire qu'on pouvait attendre et donner les 200 derniers mètres très très vite. Et c'était un cheval, par contre, qui avait une aptitude sur le bon terrain et qui préférait, c'est vrai, le terrain léger qu'au terrain lourd. Mais bon, il a gagné dans le terrain lourd. Mais c'est vrai que son aptitude, c'était le bon terrain. Tabarak won 6 group races in a row at Doha during season 2012-2013, finishing his winter by a triumph in the famous Emir's World on 2,400 meters before taking his 4th Group 1 at Doncaster in UK in September, also coming back on the mile. Very strongly, Pellerier, Tabarak on the far side, and struck the front as they race up towards the line, and the highest racing German Arabian in the world lands his 4th Group 1. On a eu très peur à Doncaster puisque le terrain était lourd, le cheval était loin pendant le parcours, mais grâce à Olivier Pellier, il est venu, finir très vite et prendre tout le monde sur les 200 derniers mètres. C'est un cheval qui est très bien fait et qui était très précoce en fin de compte. Et donc grâce à son père, Nizam, qui avait débuté à 3 ans aussi, on a pu le débuter très tôt et il a gagné d'entrée à Doha. Et donc c'est un cheval qui a une aptitude de précocité et surtout qui peut aller sur la distance comme sur des courtes distances. Tabarak is by proven Yumkan sire Nizam. Tabarak's dam, Altesse d'Arocco by Manganat, has produced 6 winners from 6 foals of racing age by 4 different stallions, 3 of which, Alanka, Altair and Tabarak, have won Group 1 races. Tabarak is standing for 2015 at Haras du Grand Courgeon, Le Lion d'Angers, West France. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button.